Un seul mot, continuez. Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017, beaucoup de joie après la victoire des Lions Indomptables face à l'Égypte en finale. Mais des peines aussi, il y en a eu. Papa Mvamba Timothée fait partie des malheureux de la CAN. Le septuagénaire a vu sa vieille maison voler en pièces face à l'agression des supporters qui célébraient la victoire des Lions Indomptables. Des tôles ont été emportées par ces derniers. Bonsoir Papa Mvamba. Bonsoir. On nous a raconté votre tragédie. Oui, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis dépassé, mon fils. Je suis dépassé. C'est un dimanche sombre. Sombre. Je suis victime. Au pluriel. Je dirais même double victime. Double victime de mon patriotisme excessif. Anna. Anna. Papa, expliquez-nous. Ça va aller, expliquez-nous. C'est une histoire qui remonte à ce fameux match où les Lions Indomptables du Cameroun, ils se sont qualifiés pour la finale de la Coupe du Monde d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique du Monde des Nations. Oui, la Coupe d'Afrique, papa. La Coupe d'Afrique des Nations. Ils se sont qualifiés. Les jeunes de mon quartier, mes petits-fils, ont donc décidé instantanément de miser le Ndjambwa. Manga miser Ndjambwa. Ndo benga hamo manena. Je suis Katika. Je suis Babim. Pas hamo manena. Arrête. Oui, c'est papa. Toi le Katika. Okay. Ils ont misé. J'arrête dans l'argent pour faire la bite. Ndo benga sou yenene ndama. Ils ont fini regarder le match dans mon domicile. En regardant donc le match dans mon domicile, j'ai d'abord senti un mauvais pressentiment. Ah, c'était la finale, papa, c'est ça? Ah, une finale. Cameroun-Colombie. Ah, Cameroun? Colombie. Oui, Cameroun-Égypte. Hein? C'était Cameroun-Égypte. C'est dans l'Égypte qu'il y a le Falalon? Oui. Ah, dans l'équipe de Falalon. Ok. Parce qu'il y a le final Cameroun-Falalon. Après ça, donc, il y a d'abord Falalon, il avait Mbundia. Oui, il a marqué. Hein? Il a marqué un but. Angle fermé. L'enfant de Tobias, il n'a pas loin. C'est lui qu'on appelle. Oui. Il a commencé à pleurer. Quand il a donc commencé à pleurer, Ndoua, j'ai d'abord vu l'enfant de Ndoua commencer à faire les doigts comme ça. Mm-hmm. Il a fait les doigts. Ndoua benga ka mi-temps. À mi-tension de. Après la mi-tension. Papa, qu'est-ce qui s'est passé pour que la maison s'écroule? Je t'explique, donc. Ok, papa. J'en viens. Ils ont donc fini la mi-tension. À la mi-tension de. J'ai vu comment. Le joueur qui a les cheveux qui ont la poussière là. Teke. Celui qui a la poussière sur la barbe. Oui, Teke. Ah, numéro. Foibeleni. Foibeleni. Ah, oui. Foibeleni. Numéro ni. Ah, il est donc sorti. Il y a le numéro Foibeleni. Numéro. 3. Ah, oui. Celui qui a la barbe. Nkoulou. Ah, il est entré. Quand il est entré donc, il a sorti la même tête qu'au Mambirik. Il a marqué le but. Oui. Les enfants ont commencé à crier dans la maison. Oui. Ils ont cassé le plat cassable. Mm-hmm. Le plat cassable que Marguerite avait rappelé de la réunion. Oui. Quand elle avait bouffé la réunion, il a cassé le plat. Oui, papa. J'ai supporté. Ils ont continué à jouer. Ils n'en ont fait l'autre, celui qui est numéro. Le numéro de Mbomala. Numéro 10. Ah oui. Une ballon à Vincent Aboubakar. Vincent, il est entré, Ndangabo Baptisation, il a marqué le deuxième but. Oui. Ils ont commencé à crier, il a poussé la télé. La télé est tombée. Papa, c'est une vieille télévision noir et blanc, j'avais gagné ça. J'avais gagné ça au Paris. Oui. Anna. Oui, papa. Oui. J'avais gagné. Ils ont d'abord cassé la télé. Oui. Quand la fin du match, la bite, il fait pipi, pipi. Oui. Tous sont sortis, ils ont commencé à enlever les tôles. Ils ont enlevé les tôles. Voilà tout ce qui me reste. Ouais, les tôles, les parfums, mon domicile. Oui. Ma maison était ici. C'est un studio. Ouais, un studio, 4 chambres, 2 salons. Ici, ils ont cassé tout. Papa, même la fondation, il n'y a pas. Hein. Il n'y a plus la fondation. Ouais. Il n'y a plus la fondation. Et les herbes là, papa, quand vous dites les herbes là, c'était ici, c'était vraiment ici. Oui, c'est ici que ma maison était construite. Quand les lions ont entré à Bonga, on a caché tout. Ouais. Je suis victime de supporterie. Papa, hein? Maintenant, qu'est-ce que vous attendez?
comme si ça ne se faisait même pas. Okay. Vous voyez les bandages. Oui, oui, les blessures. Oui. Mais même quelqu'un, quoi, ben, j'ai parti en quoi, ben, pour aller boire le vin de palme. Ouais. J'ai parti boire le vin de palme. J'entends oui, 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 oui. Oui, papa. Comme les gens qui meurent souvent, les gens qui ont l'argent là. Oui. Quand ils meurent, il y a souvent les bensikineurs qui sont bien habillés devant. Mm-hmm. Ils étaient là. Je vois les gens qui courent. Mais un de mon gars, comme il y a pas bien à courir. J'ai pas donc me placer, j'ai vu. J'ai reconnu celui qui avait marqué le premier but. Ah, Nkulu. Je l'ai reconnu sur la pique. C'était la voiture qui n'a pas le toit noir. Oui. On avait écrit son nom sur ça. Ouais. Il n'était pas seul. Il était avec son complice, celui qui a la crétette, une petite crête. Il était la petite crête, oui. Mukanjo. Celui qui a la même coiffure que Folie Diran, sauf que pour lui, n'a pas encore atteint la maturité. Oui. J'ai vu tous ces deux. Ces deux insigateurs. Comment vous avez eu les bandages alors, ces bandages-là? Je voulais, quand je les ai vus, ils avaient un pot de fleurs qui brillait en main. Oui. Ils avaient un pot de fleurs qui brillait. C'était la coupe. La coupe en or. Mais, coupe, il avait le coupe. Oui. Quand j'ai parti, vous me rapprochez pour le dîner. Hier, on a cassé ma télé à cause de toi. Après, c'est le barbe Zimbi Benga bousculé. Je suis blessé comme ça, terriblement victime. À cause de l'onze dont on a cassé ma télé. Ouais, on a cassé ma maison. Maintenant, on m'a bousculé. Ouais, je réclame des dommages. Oui. Je suis STS. Papa, là, c'est la télé. Hein? Maintenant, c'est la télé. Ah bon? Oui. Si vous avez un mot à dire à l'équipe, à ces joueurs, oui, adressez-vous, papa. Je vous adresse Nkulu Mukarando. Oui, papa. Le ministère de la jeunesse et des sports. Je vous appelle aussi la Fégafou. Mm-hmm. Je vous en supplie. Je ne vous demande rien. Si chaque joueur me donne 1 million, oui, papa, pour que j'essaie de refaire les travaux. Ouais. J'essaie de refaire les travaux, regarder les parpaings. Oui. Tout ça, c'est à cause de la canne. La canne est sucrée ailleurs, ma canne est amère. Oui, donc j'appelle les pouvoirs publics qui me dédommagent. Ok, papa. C'est tout. Si on ne me dédommage pas, je vais me mourir moi-même. Non, papa, ne mourrez pas. On va faire passer le message. Il faut leur dire que même si c'est le billet de 500, ils donnent. On peut payer en plusieurs tranches. Ok, papa. Tu comprends, non? Oui. Mais mon fils, quand vous allez faire le montage, non? Oui. Il ne faut pas monter là où il y a les herbes, là. Ça peut nuire au décor. Tu comprends, non? Ok, papa. Filme. Il y a une vieille maison qui est cassée là-bas. Il faut filmer ça. Tu comprends? Oui. Ouvre mon numéro. Je vais te donner ta part. Ok, papa. Tu comprends? Papa Mvamba, Timothée appelle Benjamin Mukanjo et ses coéquipiers à faire preuve de compassion et de générosité afin qu'ils puissent se reloger.